Les films québécois sortis en 2022 ne manquent pas. Voici mon top 3 de l'année. Je crois qu'il est mort. Mais non, regarde, il est sympa. On regarde. Oui, on regarde. Le film Chien blanc a été tourné en partie à Vancouver et réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Adapté à partir du roman autobiographique de Romain Gary, Chien blanc, c'est un voyage à la fin des années 60 aux États-Unis, alors que les Noirs sont en pleine lutte pour leurs droits civiques. Martin Luther King, qui vient tout juste d'être assassiné. We have no choice. We have to put him down. No, it's the bastards who trained him. We should be put down. Romain Gary et sa femme accueillent un berger allemand qui a été spécifiquement dressé pour attaquer les Noirs. Alors Romain Gary n'a qu'une seule idée en tête, dédresser ce chien. C'est un film d'une grande sensibilité avec de nombreuses images d'archives et surtout la fin qui est vraiment poignante. Vous avez été choisi parce que vos personnalités ressemblent à celles de nos astronautes. Viking est une tragicomédie du réalisateur Stéphane Lafleur. Et pour ma part, j'ai adoré l'originalité de l'histoire. Ça parle d'un homme qui décide de changer de vie durant 2 ans et demi. Il est recruté par un centre spatial pour anticiper les réactions d'une équipe de cosmonautes sur Mars, sauf que lui, il reste sur Terre. Alors il y a vraiment une dissonance entre ces deux réalités, ce qui amène des situations assez drôles, mais qui nous fait réfléchir en même temps sur notre propre existence, et on se demande, il est où véritablement le bonheur? Dans peu de temps, mon corps continuera à vivre, mais moi, j'aurai disparu. Le film Tu te souviendras de moi met en lumière Rémi Girard, qui une fois de plus nous impressionne par sa performance. Et ça raconte l'histoire d'un historien qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui va perdre rapidement son autonomie. Il se liera d'amitié avec la fille de son gendre, une rencontre qui va faire ressurgir des vieux souvenirs de famille. Et c'est touchant de voir la relation qui s'installe avec cette jeune femme qui semble à première vue diamétralement opposée à lui, mais qui finalement y trouvera son compte dans ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter. Bref, c'est un film qui s'écoute tout seul.